Resident Evil, The Dark Side Chronicles. Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil Dark Side Chronicle. Donc pour la suite, comme promis, donc le chapitre 17. Donc c'est parti. Bon, j'espère que ça va bien se passer, parce que comme vous avez vu sur l'image, on va devoir se battre contre Alexia, donc je crois que ça doit être le dernier chapitre. Sauf que ce dernier chapitre, il m'a laissé de gros mauvais souvenirs, surtout sur la PS3. Cela oui, encore, je ne me rappelle pas avoir galéré autant. Mais sur PS3, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à voir avec le PS Move, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai des mauvais souvenirs. J'ai bien galéré la dernière fois que je l'avais fait. Donc là, on verra bien du coup. Et vu que je suis tout seul, ça va être une petite différence. Parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, quand on joue à deux, la difficulté ne change pas en fait. Ça reste la même. Et l'avantage d'être à deux déjà, c'est qu'on peut utiliser tous les deux le flingue par exemple, ce qu'on faisait le plus souvent d'ailleurs. Et vu que les munitions sont illimitées, bah, le flingue, ça, la cadence de tir est augmentée par deux. Puisqu'on est à deux à tirer au flingue, ça permet limite d'avoir une mitrailleuse constante, quoi. Donc ça fait des gros dégâts pour que dalle, puisque les munitions sont illimitées, que là je me retrouve tout seul. Donc du coup le flingue évidemment il sera un peu moins efficace. Donc c'est parti avec Claire Redfield. Alors je regarde mon inventaire, putain j'ai rien dans l'inventaire en plus, ça va être sympa. Enfin si j'ai le lance-grenade encore, mais je pense que je le garderai surtout pour Alexia. Parce qu'à mon avis ça va être assez chaud. Le magnum de toute façon ça va pas être super utile. Par contre le fusil à pompe, ouais, j'en ai vraiment plus beaucoup. Mais je crois qu'on l'avait vraiment vidé dans le dernier chapitre. Et après ça nous en remet un petit peu par défaut quand on relance une partie. Bah là il y en a 12, donc peut-être que ça en rajoute 12, je sais plus combien ça donne normalement. Mais ça rajoute toujours quelques balles quand même, ils sont pas sadiques à ce point. Donc bah l'inventaire est plutôt correct on va dire, enfin je fais avec ce que j'ai quoi. Donc on y va, c'est parti. En espérant ne pas mourir trop de fois contre ce fameux boss. Once Chris disappeared after the mansion incident, he was near impossible to track down. But using my newfound position in the government, I eventually discovered his location. I would have contacted his sister, but she was a ghost herself. So I turned my search over to Claire then, and eventually learned of her confinement on Rockford Island. I shared this information with Chris, and he asked me to arrange a rescue mission before he set off on his own to find her. Claire! Claire! Are you kidding me? I thought tough girls like you didn't get worried. What happened? How did you get here? Leon contacted me. Leon? You know him? Yeah. He tracked me down right after you went missing. Look, Claire, we can talk about this later, but we gotta get out of here first. Wait, Steve. He's here somewhere. We can't leave without him. You're Alexia Ashford. Oh, you know my name. I thought you were dead. No, I've just been hibernating for 15 years to become one with the Veronica virus. Veronica virus? I still have some experiments to perform. Would you care to play along? Your friend awaits you in the Colosseum. You don't want to be late. Hey, stop! Allez, c'est parti. On va essayer de faire des headshots. Ah non, déjà, j'ai pas eu le flingue que j'avais. Bon, ça, il commence déjà à s'énerver sur moi. Bon, je vais prendre les thunes quand même. Ah merde, j'ai pas eu le temps de le tuer. Mais faut quand même que je prenne des thunes, puisque là mes armes sont quand même pas optimisées depuis la dernière fois. Donc c'est quand même ce qui compte. Parce que sinon après je vais galérer si j'ai pas du tout d'armes optimisées. Surtout que là je suis seul, donc faut pas trop que je fasse le malin avec ça.
Alors ces plantes là je les déteste. Quand on tire dessus en avant, des fois ça marche pas. Des fois ça marche, ça dépend des fois. Apparemment il n'y a pas d'argent à gagner dans le lustre. Je me suis dit peut-être que là il y allait y en avoir, mais non. Ah, un petit dossier, ça c'est pas mal. Mais bon, comme je vous ai dit, les dossiers, je ferai ça dans une vidéo spéciale à la fin. Comme ça on fera ça tranquillement, au moins je les aurai tous grâce à une sauvegarde récupérée. Parce que là forcément je vais en louper, hein. Puis il y a des dossiers qu'on récupère que en mode pro, donc... En mode difficile, je crois, parce que le mode professionnel, ça s'appelle pas comme ça dans le jeu. Ils ont un peu la tête dure. Hein. Un petit fusil à pompe, ça fait plaisir. Donc des grenades. Heureusement que j'ai eu le réflexe de tirer là-dedans. Pourtant, j'ai bien spammé tout à l'heure, mais j'ai pas dû réussir à le toucher. On attend un petit peu hein, parce que j'essaye de vraiment choper des thunes avant. Voilà. Alors ce chapitre là il est vraiment... Enfin, dans les grandes lignes, il est toujours fidèle au jeu original, mais ça va pas plus loin que ça. Hein. Parce que sinon tout le reste c'est quand même... très éloigné du jeu original. Ne serait-ce que les différents boss, parce que là, il nous a dit que Steve était dans le Colisée. Et ça se passe pas du tout pareil dans le jeu original. Et d'ailleurs, même la scène, quand... À la fin, quand on va finir de combattre Steve, je la trouve carrément moins touchante, personnellement, que dans la version originale de Code Veronica. Mais... J'ai utilisé le lance-grenade pour ça. Hop. Be another one of their crazy research projects. Oh, I'm getting real sick of all this. On va essayer de les achever au flingue. Et ouais, je disais dans la version originale, vous allez voir que, enfin, si vous avez vu mon walkthrough, et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Je trouve que la scène est beaucoup plus touchante parce que Claire est vraiment triste, mais enfin, c'est vraiment. Je trouve que c'est bien joué, enfin, au niveau de la mise en scène. We don't have much time. Que là, vu qu'elle est avec Chris, c'est un peu différent. Je trouve que ça perd de son âme d'origine, quoi. Let's go. Là, c'est un peu le bordel, on a à peine le temps de viser. Come on, Steve. Where are you? Hop, bon, ça va, les headshots se font pas trop mal. Je vais me soigner parce que là je vais clamser. Donc ça va, j'ai le spray. Parce que surtout au boss final que je pense je vais sûrement mourir. Après je sais pas combien, mais quasiment sûr je vais mourir quelques fois parce que le boss final je galère toujours à l'avoir. À deux ça aurait été sûrement plus simple, mais là vu que je suis tout seul, ça change la donne. Hop. Voilà, je pense que j'ai fait pas mal d'headshots. Je sais pas combien il en faut, mais je vais en faire une bonne dizaine depuis le début. Steve! Ah, petit fichier. Get back! She injected me with something. I think it's the Veronica virus. She wants to test me, see if I'll obey her orders. Claire, she wants me to kill you. Steve! I won't... kill you! Steve! Donc c'est ça dont je vous parlais, ça n'a rien à voir avec le combat original, puisque en réalité, je dis combat original, mais il n'y a même pas de combat. Puisqu'on doit fuir... Attendez, je vais prendre le pont.
Il est où le pont? Mais c'est bon, je l'ai. Moi, bon, je vais me soigner en même temps. Voilà. Parce que dans l'original, on doit se contenter de fuir. C'est comme... un petit peu comme... comment ça s'appelle déjà? Lisa Trevor dans Rebirth. C'est que... le monstre est invincible dans la version originale. Et on est obligé de fuir. Sauf que bah là, ça se déroule pas pareil. Et on est obligé de le combattre. Pas forcément très simple parce qu'il est quand même assez costaud, hein. On voit que sa hache fait beaucoup de dégâts. Donc on profite des mouvements pour recharger, hein, pour pas se retrouver en panne. Surtout le fusil à pompe qui est super loin rechargé. Ça c'est vachement chiant de cette arme là d'ailleurs. Et dans la version Umbrella Chronicle, le fusil à pompe se recharge beaucoup plus vite. Ah merde. J'aurais dû tirer un bon. Let's go. Alors après, dès que j'arrive au boss, c'est bon parce qu'il y a des checkpoints quand même. Et cet endroit là, ouais, faut que j'évite de mourir quand même. Sinon j'aimerais taper tout le passage. Voilà. Donc ça c'est pareil, dans la version originale, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Déjà la pièce, elle a rien à voir avec ça. Et on s'amuse pas à grimper comme ça pour atteindre le haut. Voilà, je crois que c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. I'm not gonna make it. You know that. The virus is in me. There's no turning back. No. You're coming with us. Claire. Stay here. I'm gonna go plant this in the power room. I'm coming with you. It's time this ended. Alexia has to be stopped. I'm gonna finish this, Steve. And then we'll all be free. We'll need to get to the control room first. Donc on a vu que Steve, apparemment, il y avait quelqu'un qui le regardait dans l'ombre, mais on sait pas qui c'est. Alors, on va réutiliser le lance-grenade. Faut que je tire bien pour essayer de faire un maximum de victimes. Bon, je vais essayer d'en faire quelques-uns au flingue quand même, parce que ça coûte quand même assez cher, et puis ça pourrait quand même me servir à autre chose. On n'a pas vraiment le temps. My little experiment at the Colosseum was so much fun, don't you think? Though I guess sometimes a worker ant will turn on his queen. Chris, are you okay? Oh, that's right.
You two are brother and sister, aren't you? I had a brother once, too. He really wasn't much fun. He couldn't even wake me up on time. But I've released him of all his responsibilities. You think everyone in this world is here to serve you, don't you? Serve me? No. I think everyone else is here to serve my experiments. Now, let's start our exciting experiment, shall we? Bad rats aren't meant to run away, you know. How amusing! Donc la première transformation, pareil, qui a rien à voir avec l'original. Parce que dans l'original, c'est quand on croise Albert avec Chris. Enfin, Wesker et Chris, quoi. Et là, ça a strictement rien à voir. Elle se transforme que vraiment à la fin du jeu. Donc c'est très différent, quand même. On va utiliser notre arme, parce que sinon, elle va me crever. Bon, bah, ok. Ça commence mal, mais ouais, c'est très différent et moi ça me plaît pas trop cette manière de traiter les scénarios. C'est pareil, normalement Alfred Ashford il meurt juste avant de libérer sa sœur d'incubateur, que là elle le tue avec ses tentacules. Bon, ça correspond peut-être au personnage, je dis pas, mais ça respecte pas du tout l'origine du jeu, et ça je trouve ça dommage quand même. Mais on va dire qu'ils ont pris trop de liberté au niveau du scénario. J'aime bien qu'il y ait des compromis, parce que le fait qu'on joue à deux joueurs pour un rail shooter, ça me pose pas de problème, mais ils ont pris trop de liberté avec le scénario original. Donc on va essayer d'économiser ses munitions. Bon, là, je vais pas avoir le choix. Voilà. Première forme, c'est bon. Did that do it? How dare you? I think you've gone too far this time. Thanks to you, Veronica's angry, which makes me stronger. If you are seeing this message, that can only mean that Code Veronica has reached a critical stage. Father. The year is 1983, and I am afraid that my only daughter has become obsessed with the Veronica virus. She has even got to the point of experimenting on her own body. My daughter dreams of unleashing this thing into the world. This last step is the only way I can think of to help her. Whether you are on Umbrella's side or not, please help her. Even though it was he who created my brother and I, but he was such a miserable old man. Voilà, donc on a vu dans la cinématique qu'Alexander, avant de mourir, a quand même fait une bonne chose, puisque faut savoir que c'est quand même un peu le raté de la famille Ashford. C'est pour ça que ses enfants, ils veulent essayer de remonter un petit peu la côte de la famille, on va dire. Grâce au virus Veronica. Putain, mais ouais, vache, quand même enchaîne. Et donc, la dernière bonne action qu'il a fait, c'est tout simplement créer Canon Haillon qui peut contrer justement le virus Veronica et le supprimer. Mais là, c'est pareil, la mise en scène, c'est assez différent et ça me plaît pas trop, hein, personnellement. Ce chapitre là est vraiment très différent de l'original. Enfin, trop différent à mon goût, quoi. Donc on va essayer de shooter ça, parce que c'est ça qu'il faut shooter en priorité. Ça enlève beaucoup de vie. That should do the trick. How are we gonna get over there? Up there. We'll
cross above her. Got it. I won't let her get in our way. Je recharge. Et je vais prendre une petite plante. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Le lance-grenade, oui. Bon, ça va, il me reste pas mal de munitions. Ça va le temps de switcher. Voilà, là, elle va me buter, c'est sûr. De toute façon, j'ai plus de vie, il n'y a plus de... Ah, à moins que j'ai le temps de partir. Alors, je vais changer d'arme, à mon avis, je vais crever. Hein. C'est... je m'attends pas à autre chose, honnêtement. C'est vraiment le passage où je crève le plus souvent. Vraiment, ce combat. D'un autre côté, le combat est assez sympa parce qu'il est beaucoup plus épique que l'original. Mais à part le côté épique, ça respecte pas trop. Puis vous allez voir d'ailleurs la fin de ce chapitre, donc il est traité en vidéo, un peu comme la fin du jeu original. Mais c'est... ils oublient carrément le combat avec Wesker, alors que c'est, pour moi, le... je dirais pas le plus important que Veronica, mais c'est l'une des cinématiques les plus importantes. Que ce soit aussi bien pour l'histoire que pour le reste, quoi. Et bah là, ils en parlent pas, tant pis. C'est cool. Voilà, je vais casser. Voilà. Fallait que ça arrive. Mais ouais, ils ont pris trop de liberté, je trouve, par moment. Ce qui est vraiment dommage. Parce que sinon, à la base, il reste quand même assez bien. Hein. C'est sympa quand même de revoir tout ce qui s'est passé avec Code Veronica, mais il y a trop de liberté prise à certains moments, je trouve. Bon. Deuxième essai. D'aller plus vite avec le lance-grenade. Qu'on attend que le truc ressorte, on peut lui faire des dégâts dans son corps, mais ça fait moins de dégâts que son gros truc. Ah, elle n'a pas rentré. Voilà. Voilà, c'est bon, on peut s'en aller. J'en profite pour recharger. Voilà, c'est bon. Impeccable. Ceci, ouais, ces plantes-là, ça m'énerve. À chaque fois, je tire au mauvais moment, du coup, ça compte pas. Alors, par contre, il y a peut-être des fichiers dans les lampes, mais bon... galère assez comme ça contre le boss, hein, donc si je peux encore essayer d'en prendre, je le fais, mais c'est pas ma priorité, hein, je vous le cache pas. Bon, elle va me laisser y aller ou... enfin, apparemment, faut continuer de l'enchaîner. Essayer de le faire au pistolet. Alors évidemment, c'est l'autre qui tape cette fois. Ça va aller là, non? Toujours pas. Bon, c'est un peu galère. Hein, on va essayer de le faire à la mitrailleuse. Allez, allez, allez. Voilà, ça va aller là, je pense. C'est bon.
Oh non. Ah puis. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas, cette putain de plante. Hein. Bon, ça va peut-être aller là, normalement quand on en shoot une, c'est bon. Oh là là. Je déteste ce passage. En plus, le perso, voilà, vu que c'est un rail shooter, on choisit pas nos mouvements, donc on peut pas esquiver nous-mêmes, quoi. On est obligé de tirer au bon endroit au bon moment, sinon c'est mort. Donc ça, c'est cool, on a récupéré le canon à ion, mais vous allez voir que déjà, il faut plusieurs coups par rapport à l'original, alors que c'est censé détruire complètement le virus, mais vous allez voir que c'est très différent, et je trouve que c'est pas terrible de ce côté-là. Voilà. Voilà, donc on se dit que c'est fini, mais malheureusement, non. Alors qu'elle aurait dû être pulvérisée par le canon à ion. Mais non. On est obligé de se la retaper. Et ça, c'est le passage qui est encore bien galère. Et il est aussi galère dans le jeu original, ça, par contre. Vous avez vu, elle se balade dans tous les sens. Et la visée avec le canon à ion dans le jeu original, c'est pas facile, disons. Hein. Donc là, on doit d'abord lui descendre sa barre de vie pour monter et se rapprocher. D'ailleurs, je sais même pas si on peut vraiment la tuer au canon à ion si on arrive à ne pas se louper. À moins que c'est vraiment scripté pour forcément se louper, même si on vise bien, je sais pas. Mais j'ai jamais essayé. Ça bouge tout le temps, vous voyez, donc c'est pas trop la peine d'user à chaque fois. Surtout que ça prend du temps à recharger, donc c'est ça aussi qui est chiant. Il faut vraiment tirer au bon moment avec. C'est pas encore bon. Arriver, hein. Je galère à viser hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas évident. Avec la Wiimote c'est un peu plus simple, mais ça reste que c'est pas évident. Comment elle bouge hein. Merde, le truc qui enlève toute ma vie. Bon, ça va peut-être aller. Hein. Allez, monte. On en finisse, parce que là je vais clamser, là, le moindre coup. Ah bah là, je crois qu'elle allait me foutre un coup. Je sais pas pourquoi il grimpe pas, là, je dois déclencher un truc ou je dois tirer avec ça, là. Ouais, bah, vous voyez, ça le loupe quand même. Non, normalement c'est plus haut, je crois que ça déclenche. Je sais pas pourquoi on reste là comme des cons. Mais... Ça va me coûter la vie, ça. C'est assez chaud. Ah, bah voilà. Le problème, c'est que là, c'est pas à fond. Faut attendre. Oh, putain. J'aurais dû attendre un peu, mais... C'est un petit fichier. Bon, je vais crever, hein. En tout. Ah, moi j'arrive à survivre, mais non, ça va être chaud. Si c'est juste de la QTE, ça devrait passer. Mais... Ça m'étonnerait. On va attendre que ça recharge. Là, je crois qu'elle allait m'attaquer. Là, je pense que j'ai bien. Voilà, c'est bon. Enfin, c'est pas simple. Donc là, vous voyez, elle est pas pulvérisée, elle va exploser après, mais je trouve pas ça terrible, perso, c'est... Pour moi, voilà, quoi, le canon à ion, c'est l'arme ultime pour détruire le virus, un coup, t'es mort, quoi, que là, la fille à résiste, ça fait pas terrible. Steve's waiting for me. You're right. Let's hurry. This place won't be standing for much longer. Yeah. What's going on? Where's Steve? Taken. A star's knife?
This one looks different from yours. I'm pretty sure I know who it belongs to. Veronica virus, despite Chris's best efforts, was procured by Wesker. He secured Steve's body, which had been infected, and was able to extract the virus, leading to its reappearance in South America. The virus continues to grow, altering its form, strengthening perpetually, until the day comes when it can be destroyed. Voilà, ça y est, on est au bout. Donc comme on a vu dans la cinématique, et comme je vous disais, c'est Chris et Wesker, hein, c'est juste un échange de regards, c'est carrément moins épique et carrément moins stylé que l'original. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, est-ce que c'est peut-être une question de budget, on sait pas, hein. Vous allez peut-être dire ouais bah, ils sont pas à ça près, mais faire des cinématiques en images de synthèse ça coûte quand même assez cher, hein, faut pas l'oublier. Et c'est vrai que faire un combat aussi long que ça l'était dans Code Veronica, en sachant que dans Code Veronica, si vous en rappelez, c'était pas en image de synthèse, hein, c'était fait avec les graphismes du jeu, donc c'est moins coûteux, on va dire. Alors est-ce que c'est une question de prix, ou tout simplement parce que le chapitre commence à être long, j'en sais rien. Ou peut-être parce que voilà, ils veulent parler des événements antérieurs, mais sans trop en dévoiler, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça. Alors temps rancé, bon dommage. En même temps je suis mort combien de fois du coup? Deux fois non? Je sais plus. Ouais il me semble, deux fois. Enfin pas trois fois, je crois pas. Une ou deux fois il me semble. Si je dis pas de bêtises, donc c'est plutôt pas mal, je suis étonné. Je m'attendais plus à mourir 3-4 fois pour être honnête, mais bon ça va pas trop merder. Sinon le reste rend S. Donc apparemment j'ai fait suffisamment de kills, je sais pas combien il en fallait mais j'ai dépassé la jauge. Tir à la tête 14. Ouais donc c'est plutôt pas mal, mais le temps ouais c'est... Bah j'ai perdu du temps en crevant au boss quoi, comme je vous avais dit, c'était à prévoir. Et voilà, sinon toute cette partie de Code Veronica là est sympa dans son ensemble, mais c'est un petit peu en demi-teinte je trouve par rapport au jeu original. Parce qu'ils ont pris trop de liberté comme je vous ai dit. Parce que dans Resident Evil 2 encore c'est différent parce que comme vous le savez il y a deux scénarios par personnage dans Resident Evil 2, il y a le scénario A et le scénario B et du coup ils ont fait tout un mélange de ça donc c'est pas grave, enfin ça reste crédible puisque tout s'est passé comme ça dans Resident Evil 2. Mais là je trouve qu'il y a trop de changements à mon goût dans Code Veronica et du coup ça perd un peu de son charme, que ne serait-ce que déjà la mort de Steve. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé ridicule, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais elle est carrément moins touchante. Là, on voit, bon, Claire, ouais, chiale, bon, voilà, vite fait, que dans Code Veronica, voilà, Claire, elle se retrouve toute seule, elle est enfermée jusqu'à attendre son frère. Enfin, elle est traumatisée, quoi, la fille. Enfin, ça a beaucoup plus d'impact que cette scène-là, quoi. Et puis, bon, le combat, encore, est assez sympa, même si, normalement, on est censé le fuir dans le jeu original. Mais bon, pourquoi pas, ça ne dérange pas. Mais voilà, c'est des petites scènes comme ça. De plus, bah, on n'a pas eu le premier combat contre Alexia, donc dans le manoir au début, devant l'escalier. Normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Dans le jeu original, ça se passe comme ça. La première forme, c'est ici. Mais là, bah, il n'y a pas de première forme. Et puis c'est pareil, Wesker reste très en arrière-plan dans cette partie du jeu, quoi. Enfin, même dans ce jeu en général. Bon, je sais qu'Umbrella Chronicle, il parle beaucoup de Wesker. Mais dans Darkseid Chronicle, il a quand même sa part importante et on le voit pas. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Umbrella Chronicle, il y a peut-être moins de chapitres par zone de jeu. Il y a trois gros chapitres à chaque fois, je crois. Par exemple, dans Resident Evil 0, pardon, il y a les trois gros chapitres où ça résume l'histoire de Rebecca et Billy. Mais en dessous, il y a des sous-chapitres qui sont limite plus importants que les chapitres originaux, parce que les chapitres originaux, on les connaît si on a joué aux jeux originaux, quoi. Et les chapitres d'en dessous, on voit comment Wesker s'est déplacé, a fait ça, ceci, cela, quoi.
Et ça, c'est vraiment sympa. Et dans Darkseid Chronicles, ils sont contentés de faire les histoires principales sans se fouler derrière. Donc on voit pas, par exemple, Wesker, là, on aurait pu très bien avoir deux petits chapitres, comme c'est le cas dans Umbrella Chronicles, où on voit Wesker se déplacer sur l'île Rockford, ou même en Antarctique, et voilà, se battre contre les zombies, hop, parler avec Alexia, avoir une altercation avec elle, j'en sais rien. Voir quand on récupère le corps de Steve, limite une petite ciné où on le voit en train d'extraire le virus Veronica de son corps, des choses comme ça, enfin je sais pas, ça semble logique par rapport à ce qui s'est passé dans Umbrella Chronicles. Et là ils ont changé de fonctionnement, ils ont préféré se contenter de faire les histoires principales. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais dire. Mais sinon, il reste quand même sympa, hein, moi, ça reste quand même un bon rail shooter, je trouve, parce que j'ai déjà joué à d'autres rail shooters. Et celui-là reste sympa, il respecte quand même assez bien l'univers Resident Evil, même si, comme je vous dis, pour ce qui est du scénario, il y a quand même beaucoup trop de liberté, mais bon. C'est pas forcément négatif à ce point-là, mais c'est un peu dommage, il y a certaines scènes qui étaient quand même plus sympas dans le jeu original. Donc c'est tout, bah j'ai tout dit, donc ça fait quand même une grosse vidéo pour Darkseid Chronicles, vous êtes plus habitués à une vingtaine de minutes, mais bon, là j'ai fait plus de blabla. Et puis cette vidéo-là, enfin le niveau du jeu, j'ai pris 17 minutes, donc c'est quand même assez long par rapport aux autres, en sachant que je suis mort, donc ça rajoute du temps, quoi. Donc en tout cas, j'espère que mon retour sur Darkseid Chronicles vous a plu. Donc moi, je vais continuer, je vais essayer de faire une vidéo derrière. Et puis je upload tout ça. Donc comme je l'ai dit à la fin de... Enfin, dans les dernières vidéos de Resident Evil 1, je vais être un peu... Enfin, je vais être absent tout court, même... fin février. Donc là je sais pas à quel moment ça va tomber cette vidéo, hein. J'ai pas fait le calcul pour voir quel jour ça tombe, mais je vais faire aussi les vidéos de Darkseid Chronicles en avance, pour comme ça vous aurez toujours vos vidéos régulières, et même si je suis pas chez moi, quoi. Donc comme ça tout le monde sera content. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, puis on se dit à la prochaine pour la suite.